Les hommes n'ont pas la réputation d'être simples à lire, à décoder. Parfois un homme peut t'aimer comme un dingue, mais ne pas beaucoup le montrer. Parfois un homme peut aussi te dire qu'il t'aime, mais en réalité ne pas l'être. Et oui, c'est important de savoir s'il est amoureux ou pas. Parce que ça change tout derrière. Est-ce qu'il faut continuer la relation ou pas Est-ce qu'il faut se battre pour que ça fonctionne Dépasser les problèmes qu'on a Ou au contraire, laisser tomber Parce qu'il n'y a pas d'amour derrière ça. Et si on se quitte, est-ce qu'il faut le récupérer ou pas Est-ce qu'il faut le quitter ou pas On va en parler dans un instant juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste ici et sous cette vidéo. Et si votre cas est spécifique, contactez-moi ou mon équipe. Il y, a des, il y a des liens qui sont aussi au-dessus et sous cette vidéo. Première phrase que te dira un homme qui t'aime vraiment, c'est « Je t'aime ». Je sais ce que tu vas me dire, Antoine. Merci d'avoir enfoncé une porte ouverte. Et en réalité, c'est pas si évident que ça. Parce que un homme qui n'arriverait pas à dire un je t'aime assez rapidement, parce que généralement, si vous le dites au bout de quelques semaines, tu as envie que l'autre te le dise aussi en face. Mais s'il ne te le dit pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui est caché. Typiquement, il peut être en train de masquer, de cacher ou de minimiser une blessure qu'il a de son passé. Admettons qu'il sorte d'une relation où il était très amoureux. Où il l'a dit à l'autre et finalement ils se sont séparés. Dans ce cas-là, il regrette. Il n'aurait pas dû mettre autant de sentiments dedans. Il aurait dû attendre beaucoup plus avant de s'investir émotionnellement. Ou peut-être qu'il a dit un je t'aime puis qu'il a changé d'avis par la suite, qu'il a quitté cette femme et elle lui a dit tu es un menteur. Tu m'as dit je t'aime et pourtant tu es parti. Donc il a découvert que l'amour, ça fait mal, il n'est pas encore remis d'une relation précédente, et dans ce cas-là, s'il ne dit pas je t'aime, il va mettre un espèce de bouclier émotionnel, une espèce de couche de plomb sur tous ses sentiments dans son ventre-là, et il ne dira rien. Autre possibilité, s'il ne dit pas je t'aime, c'est qu'il n'est peut-être pas sûr de lui, de ce qu'il ressent. Et il ne veut pas te donner de faux espoirs, ce qui est plutôt positif. Dans ce cas-là, il faut attendre. Tu peux lui poser la question d'ailleurs, est-ce que tu m'aimes aussi, il est possible qu'il soit indisponible émotionnellement. Il n'arrive pas à gérer facilement ses émotions, c'est compliqué. Il a toujours été renfermé sur lui-même, renfermé dans ses émotions depuis son plus jeune âge, et aujourd'hui, ça reste pareil avec le temps. D'ailleurs, c'est facile à voir. Regarde comment sont ses parents. Est-ce qu'ils sont plutôt expressifs ou pas du tout Comment ça se passe entre lui et ses parents il faut savoir aussi que parfois un homme ne va pas dire cette phrase, il va l'exprimer de manière différente. Comme par exemple Gary Chapman le disait dans ce best-seller qui s'appelle Les langages de l'amour, il explique que les êtres humains ont différentes manières de montrer l'amour qu'ils ont pour les autres. Typiquement, ça peut être en touchant l'autre, en le prenant par la taille, par les bras, par les épaules, en s'embrassant de temps en temps. Ça peut être aussi des paroles valorisantes, comme des compliments. Ça peut être aussi le fait de te rendre beaucoup de services qui, dans son langage à lui, est le fait de montrer de l'amour. Ça peut être également en passant des moments de qualité avec toi, quand il te donne rendez-vous un samedi soir, il ne se consacre qu'à toi, il met son téléphone de côté, il annule tout pour être 100% avec toi, ou ça peut être aussi des cadeaux. Sauf que toi là-dedans, si toi ton langage de l'amour, c'est des paroles valorisantes comme entendre un je t'aime, entendre un tu es belle, mais que lui son langage est différent, comme par exemple te faire des cadeaux, dans ce cas-là il y a un décalage. Tu ne penses qu'il ne t'aime pas parce qu'il ne parle pas exactement ton langage de l'amour. Si on veut généraliser les hommes, on pourrait résumer ça de la manière suivante. Fais plutôt confiance à un homme sur ce qu'il fait et un peu moins à ce qu'il dit. Deuxième phrase qui va dire on va aller de manière crescendo, croissante, ce fait de moins en moins évident dans la vidéo. Il parle d'un futur avec toi. On sait qu'il y a trois types de projets. Les projets à court terme, typiquement, c'est qu'est-ce qu'on fait ce soir, qu'est-ce qu'on fait le week-end prochain. Les projets à moyen terme, c'est par exemple où est-ce qu'on part pendant nos prochaines vacances. Et les projets à long terme, c'est est-ce qu'on va se marier, avoir des enfants, emménager quelque part, etc. Donc, est-ce que depuis le début, tu as l'impression qu'il pose des jalons sur le futur parce qu'il se projette dedans La projection chez l'être humain est extrêmement importante. On en a déjà parlé dans beaucoup d'autres vidéos. Est-ce qu'il projette le futur avec toi ou est-ce que la seule vision que tu as, c'est ce soir Ou tu te demandes. Est-ce que je vais peut-être le voir lundi prochain à 23h30 quand il aura fini de boire des verres avec ses copains C'est très différent. Donc, est-ce que tu as des projets court terme En général, c'est au début de la relation. Puis, va s'ajouter à ça, va s'accumuler les projets moyen terme pour toutes vos prochaines vacances. Puis, va s'accumuler dessus les projets à très long terme. Est-ce qu'on se voit vieillir ensemble La troisième chose que va te dire un homme amoureux, c'est que... Lorsqu'il te présente des amis, ça se passe bien. Déjà, il faut qu'il te présente ses amis. J'ai beaucoup de couples qui me disent On est resté trois ans ensemble, mais étonnamment, j'ai jamais vu ses, ses amis. Et bizarrement, on s'est quittés. Oui, ben, pose-toi la question pourquoi est-ce que tu n'as jamais rencontré ses amis Sache que oui, en effet, les hommes parlent de leurs sentiments à leurs amis. On a beau être handicapés émotionnellement majoritairement, il nous arrive quand même de dire deux trois grognements. Ouais, ça se passe bien avec elle. Ou alors non, c'est l'enfer. Ça, ça s'arrête à peu près à ça. Mais en tout cas, on va donner un jugement sur ce qu'on ressent. On va donner nos sentiments. Et comme tu le sais, nos amis sont juste le miroir de ce qu'on pense. Si jamais tu sors, tu es en pleine rupture amoureuse. Tu sors d'un couple, tu vas voir ta meilleure amie, tu lui dis. Cet homme était vraiment nul, c'est un débile, je veux le quitter. Qu'est-ce que va te dire ton amie Elle va dire oui, t'as raison, et je l'ai toujours pensé. Et si jamais, un mois après, tu te remets avec cet homme, elle va te dire une chose comme, je suis content que vous soyez ensemble, j'en étais persuadé, et je t'ai toujours dit que vous finiriez ensemble. Et là, dans ta tête, tu dis, non, ma cocotte, tu m'as dit autre chose, tu m'as dit que c'était un nul, que j'avais bien raison de partir. En réalité, tes amis, ce qu'ils veulent... Ce pas que ton couple soit heureux, que l'autre soit heureux. Ils veulent que toi, tu sois heureux ou heureuse. Donc, tes amis, que tu sois homme ou femme, vont toujours te dire exactement ce que tu veux entendre. Sache que plus tu iras te plaindre à tes amis, plus ils iront dans ton sens, te dire que tu n'as pas de chance, c'est compliqué. Plus tu seras heureux ou heureuse, plus ils seront avec toi. Donc, en réalité, si jamais ses amis t'apprécient, c'est juste le miroir de ce que lui ressent. Un miroir qui n'a pas d'avis, qui veut juste le bonheur de cette personne. Idem pour sa famille. Quatrième chose qu'il fera s'il est amoureux, c'est qu'il va t'accorder du temps. Ça, c'est extrêmement simple à regarder. Est-ce que je peux le contacter n'importe quoi, aller le voir, je serai sa priorité Ou est-ce que je passe après son club de squash, ses amis alcooliques dans un bar et sa passion numéro une qui est faire du modèle réduit de voiture électrique ou pas Donc, quelle est ma place là-dedans une personne qui prend du temps pour te répondre, qui répond plutôt rapidement aux messages, ou en tout cas qui, de manière générale, est présent, t'écoute, mais de l'intérêt sur ce que tu vis, est une personne qui veut ton bien et a priori une personne qui est amoureux de toi. Ça signifie que une personne qui s'en fiche te fera passer en dernier. Une personne qui t'aime va t'accorder du temps. Personne ne passe du temps à répondre à quelqu'un dont il se fiche. Donc c'est un excellent indicateur. Cinquième chose qu'il va faire, si jamais un homme est amoureux de toi, tu n'auras pas de doute. Alors, attention, on va revenir en détail sur ce concept. Comme on en a parlé, un homme est mal connecté à ses sentiments. Tu es une femme, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas vécu notre enfance. On a entendu des choses comme, tu es un homme. Tu n'as pas peur quand on était tout petit T'es un homme, t'as pas peur. Un homme, ça ne pleure pas. Un homme, ça fait ci, ça fait ça. Un homme, ça sait se battre. Un homme, ça sait se défendre. On nous a conditionnés, depuis qu'on est tout petit, à cacher nos sentiments. T'es triste, tu ne pleures pas quelqu'un t'énerve, tu vas euh, au contraire te battre pour rétablir la chose. On est élevé comme des tout petits guerriers. Alors, c'est peut-être les gens de ma génération. Ça change peut-être un petit peu aujourd'hui avec nos enfants à qui on apprend que, ben bah, voilà, il faut savoir dire ses émotions, ses sentiments. Mais <coughs> un homme globalement, à peu près de mon âge, ou même à plus ou moins 10 ans, n'a pas été éduqué là-dedans. Et même toi, en réalité, si on est honnête entre toi et moi aujourd'hui, tu n'as peut-être pas envie d'un homme qui soit trop émotionnel. Un homme qui te servirait ce qui s'appelle un vomi émotionnel, qui arriverait chaque soir en te disant, en pleurant, ça a été compliqué, ma voisine de bureau aujourd'hui a été dure avec moi, m'a fait une mauvaise remarque, et mon patron n'a même pas remarqué que j'avais fait un beau PowerPoint, etc. Et blabla, bla, et blabla, bla, du vomi émotionnel qui durait pendant des heures. Tu pas envie de ça non plus. Ce que tu veux, c'est un homme qui soit fort et sensible. Accroche-toi bien, tu veux quelque chose qui est totalement ambivalent, des choses qui ne vont pas du tout ensemble. Tu veux un homme qui soit fort dans son rôle d'homme et qui ait aussi une petite part de sensibilité. Si on rentre plus dans le détail là-dessus, parce que ton envie n'est pas dingue, il y a une raison derrière ça. Ce que tu veux, c'est un homme qui soit fort en société. Un homme qui soit capable de parfois supporter tes montagnes émotionnelles sans partir en vrille comme toi. Si jamais un jour t'es pas heureuse ou t'es triste, as envie d'un homme fort qui te prenne dans les bras, qui te dise Viens ma chérie, tout se passe bien. Mais tu veux aussi que dans l'intimité, il sache se montrer parfois fragile, que de temps en temps il te montre ses doutes et la sensibilité qu'il a. Mais imagine que toi tu viens d'un monde où, pour une femme, il y a quelque chose d'un point de vue social qui est très toléré là-dedans. Si jamais tu fais une crise en public, on va se dire, c'est pas grave, c'est juste une mauvaise journée pour elle. Pour un homme, c'est très différent. Donc, la, la femme a globalement un, une envie qui est très particulière, très dosée sur sa dose de force qu'il doit avoir et sa dose de sensibilité qui doit être petite et montrée dans certaines circonstances. Et ça, on le demande à des hommes qui n'ont pas été élevés du tout là-dedans, qui ne savent pas du tout de quoi ça parle. Donc... On a été élevé sans aucune émotion, nous apprenons à tout réfréner et on nous demande de savoir gérer ceci une fois arrivé à l'âge adulte. Et si ton homme n'a pas été suivi par un thérapeute, un psy ou si, comme moi, il n'a pas été élevé avec deux sœurs, a priori, il y a quelque chose de compliqué dans le fait de bien gérer ses émotions, de bien les montrer. Donc tout ça, on pourrait le traduire par un homme lorsqu'il est amoureux, tu le vois ou tu le sens. Mais ton homme ne te montrera pas de la même manière son amour que le voisin. Peut-être que ton voisin de palier, il offre des bijoux et des bagues à sa femme en permanence. Et là, tu dis, ça y est, il est amoureux parce qu'il offre ce genre de choses. Sauf que peut-être que ton homme, qui n'a pas été éduqué émotionnellement, te le montrera d'une autre manière. On a vu les cinq langages de l'amour de Gary Chapman tout à l'heure. Peut-être en te rendant des services, peut-être en étant avec toi plus souvent. Et une jolie phrase qui dit, un homme ne peut pas aimer un million de femmes. Par contre, il aimera une femme d'un million de manières différentes. Donc aujourd'hui, tu sais que tu attends de lui certains signaux qu'il n'a pas été éduqué à donner. Donc oui, ça va sortir de manière aléatoire lorsqu'il sera amoureux. Et ne soit pas concentré ou n'attends pas spécifiquement un certain type de phrase ou de comportement, sachant que n'ayant pas été éduqué dans la capacité à sortir tout ceci, il va te le sortir à sa manière, qui sera probablement complètement aléatoire. Donc oui, très souvent, un homme t'aime s'il respecte les points de dessus, et ne soit pas trop attentif sur un seul point pour être certain qu'il est amoureux de toi. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aidera. Les hommes sont un peu, les hommes sont très simples à comprendre. C'est un peu comme des gentils labradors qu'il faut savoir aiguiller de temps en temps. Parce que oui, t'as aussi le droit, t'as aussi le droit de lui dire de temps en temps, ça c'est nul. Une femme attend ce genre de choses. Si un homme t'aime, il fera ses efforts. L'idée c'est pas de le remodeler complètement, c'est juste de temps en temps de le guider un peu vers un peu plus d'intelligence émotionnel. Voilà, j'espère que j'ai fâché aucun des deux clans aujourd'hui, ni homme ni femme, j rappelle quel quiz qui s'appelle quelles sont mes chances de récupérer mon ex S'il y avait de l'amour et si c'est ce que vous souhaitez aujourd'hui, le quiz est juste là. Salut à tous. Bye.